Nouvelle semaine de vlog, on commence, on est dimanche et c'est la balade du week-end avec ma soeur comme quasiment tous les week-ends. On va se balader comme d'hab, on peut faire les magasins et tout ça. Il fait pas si froid. Il fait quand même un peu froid mais on s'est bien habillé donc ça va. Et voilà, je suis contente, il fait plus ou moins, enfin il fait pas beau mais ça va. Donc c'est cool, je vous emmène avec moi comme d'habitude. On est sur la plage et il fait hyper beau, je m'y attendais pas, il y a le soleil qui est arrivé, regardez le ciel est bleu et tout, c'est trop bien, j'adore. Et il n'y a aucune vague, enfin il n'y a quasi pas de vague, trop drôle, le temps s'est changé, c'est trop bien. Je vais vous montrer, il y a tous les nuages, ils sont en train de partir là-bas et le ciel il est en train de devenir tout bleu, trop bien. On vient d'arriver à Liège, on est à Liège pour un rendez-vous et du coup on va passer la nuit ici et tout, donc je suis avec ma maman et là on vient d'arriver mais il est déjà tard, il est 16h, j'ai même pas regardé l'heure, mais on a une énorme route puisque nous on vient de l'autre bout de la Belgique. Oui, on a dû prendre une route différente. Oui, en plus on a changé de route parce qu'il y avait les tracteurs et du coup il est plutôt tard, mais bon on va un peu se balader. Même s'il fait vraiment très moche, il pleut, je sais pas si ça se voit. Et après, on ira à l'hôtel, puis on ira manger ce soir. Et voilà! Bon, on vient d'arriver à l'hôtel et je ne trouve pas d'endroit où vous poser ailleurs que là. Donc, tant pis si c'est mal cadré. Je voulais vous montrer, je me suis pris des petits trucs quand on s'est baladé dans les magasins. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai été dans le magasin Irinaka, j'entendais tout le temps parler de ce magasin. Je sais qu'ils font tout ce qui est luxe et tout, mais je savais pas du tout. Mais je savais pas du tout qu'ils faisaient aussi tout ce qui était parfumerie. Donc, ils ont Byredo, je savais pas du tout, mais bon à savoir. Et ils ont Diptyque. Et j'ai trouvé le truc que je cherchais l'autre fois quand on était allé à Lille. Le parfum d'intérieur, je suis trop contente. Donc je vais pas le déballer maintenant, je vais garder pour la maison. Mais donc le parfum d'intérieur figué, pour lequel on avait vraiment eu un gros coup de cœur et que je voulais absolument acheter pour la maison, mais qui n'avait plus du coup à Lille. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé ici. Et ensuite chez Paris XL, bon ça c'est du dentifrice, c'est pas intéressant. Je me suis repris ça, c'est vraiment le truc, littéralement je me couche jamais sans mettre ça. C'est en fait c'est de l'auto-bronzant mais assez naturel que vous mettez, vous faites des sprays en fait sur votre visage. Il n'y a rien à appliquer, à étaler, rien, vous faites juste pchit 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 et ça vous donne le lendemain un teint bronzé. Donc moi jamais je vais dormir sans ça, c'est vraiment devenu mon essentiel. Du coup ça se vide assez vite et c'est assez cher quand même. Mais vraiment c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour avoir l'air un peu bronzé toute l'année. Et ensuite, non ça c'est un échantillon, donc voilà. Et je me suis pris, c'est le truc le plus un peu funky que je me suis pris, c'est une huile à lèvres Dior. Donc j'avais déjà j'en avais déjà une dans une autre teinte, Rosewood, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et là j'ai voulu tester celle-ci, donc elle a l'air hyper foncée là, mais en fait sur les lèvres ça fait pas si foncé. Je vais l'essayer maintenant, mais sachant que j'ai déjà du crayon, donc ça va pas vous faire, en plus la lumière est mauvaise, ça va pas faire un vrai rendu naturel, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'elle donne. J'adore les huiles à lèvres en général. Ah, vous voyez c'est pas du tout choquant quoi. Et comme je savais que celle que j'avais en Rosewood n'était vraiment pas fort pigmentée, ben j'ai pas trop eu peur d'aller vers celle-là qui est plus foncée. C'est un marron comme ça, mais vraiment en transparence, quoi. Vous voyez, ça n'est pas du tout choquant. Et en fait, je crois que je préfère encore que la Rosewood que j'ai, parce qu'il y a moins. Je trouve que dans la Rosewood, il y a quand même un petit sous-ton un peu orangé que j'aime pas trop. Et là, pas du tout. C'est vraiment un marron, hein, vous voyez. Bon, je suis trop contente de l'avoir prise. Donc voilà, chez Paris XL, je prends, enfin dès que les produits sont disponibles chez Paris XL, moi je prends chez eux parce qu'il y a tout le temps moins 21% très régulièrement, plusieurs fois dans le mois. Donc c'est super intéressant de prendre les produits là-bas. Donc là c'était le cas. Voilà, ça c'était mon petit achat, enfin mes petits achats d'aujourd'hui. C'est tout. Sinon, on a été chez Zara, il n'y avait rien. On a été chez Easy Clothes, mais on n'a rien trouvé non plus.
Et c'est tout, hein. Ah oui, on a été chez Mac quand même. Pour toi. Enfin, ma maman a été sévère avec la vendeuse. Non, elle a voulu faire une blague, mais on n'a pas trop compris son humour. Donc voilà, mais sinon c'était cool malgré qu'il faisait vraiment pas beau. On a été au Pain Cotte aussi prendre un petit goûter. Et là on va aller manger. Et moi j'ai trop envie d'aller dans un restaurant que j'ai trouvé de trucs savoyards, trucs de raclette et tout ça. Qui a l'air trop bien. Donc c'était dans les recommandations de l'hôtel, j'ai trop envie d'aller là. Donc on va voir. Je vous reprends pour une nouvelle journée. Je vous avais pas beaucoup, je vous ai pas repris du tout hier. Je vous avais laissé depuis la fondue à Liège. Et donc hier on est bien rentrés. Moi j'étais, enfin, on était toutes les deux crevées. Et du coup qu'est-ce que je disais? Donc voilà, hier voilà, c'était repos, j'étais crevée. Et aujourd'hui il s'est passé déjà beaucoup de trucs. J'ai travaillé ce matin, enfin toute une partie de la journée. Je vais encore travailler après en revenant. Et le truc qui s'est passé que je voulais vraiment vous partager, j'ai pas encore eu le temps parce que j'ai fait un unboxing directement sur les réseaux et que j'ai pas encore posté d'ailleurs. J'ai reçu un colis, mes amis. J'ai reçu un colis, enfin j'ai reçu mes chiffres, voilà, tout simplement. Donc que j'ai pu me commander hier par un total hasard. Enfin, je regarde vraiment toute la journée pour essayer de les avoir dans ma taille. C'est très compliqué, comme vous savez, de les avoir. Et hier, j'ai réussi. Et donc là, je suis en excitation depuis tout à l'heure. J'arrive pas à redescendre en fait. J'arrive pas à redescendre. Je suis hyper, hyper contente et excitée. Et quand on rentre tout à l'heure, je vous les montrerai. J'ai voulu d'abord faire vraiment l'unboxing en real life pour les réseaux. Et après, quand on rentre, je vous les montre. Mais je suis tellement contente. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Là, on va faire une petite course rapide chez Mac. Et puis, je me remettrai au travail parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. J'ai plein de mails à répondre. Auxquelles j'ai pas encore répondu, et puis j'ai des plans encore à filmer, enfin s'il y a assez de lumière, on verra. Bon, je suis rentrée, donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les petites pépites dont je vous ai parlé. Bon, si vous voulez l'unboxing complet, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok ou sur Insta, parce que là j'ai déjà tout déballé, donc je vais pas vous refaire toute l'expérience, mais juste admirer la boîte. C'est ma première boîte orange, c'est la première fois que je commande chez, enfin que j'achète tout simplement chez Hermès, donc vraiment excitation au sommet. Et du coup je vais vous les montrer sans vous faire trop de suspense. Regardez-moi, je vais, c'est voilà, c'est mes petits bébés, je voilà, c'est, j'adore, je peux rien vous dire de plus. Je sais que certaines personnes sont pas très chypres, moi vraiment c'est la paire que je préfère. Je suis pas trop fan des orangs, enfin elles sont très jolies, mais c'est trop fin, je trouve, pour enfin pour moi, pour mon pied personnellement et pour mon style. Je préfère de loin quelque chose d'un petit peu plus mastoc, et donc celle-ci c'était vraiment la paire que je convoitais depuis littéralement des années. Ça fait 2 ans que vraiment je les veux absolument, mais elles sont excessivement difficiles à avoir. Et là, je me suis dit, j'ai entendu en fait des filles qui expliquaient que pour les avoir, il fallait actualiser toutes les demi-heures. Donc j'ai pas fait quand même toutes les demi-heures parce que voilà, j'ai une vie quand même. Mais si vous voulez vraiment les avoir, je vous recommande fortement de regarder vraiment tout le temps dans la journée sur les deux sites, France et Belgique, parce que c'est pas les mêmes disponibilités, et vous allez finir par normalement réussir à mettre la main sur votre taille. Moi c'est comme ça que j'ai fait, et vraiment je regrette pas. Donc ça fait quand même un petit moment, hein, que j'essaie de les avoir. Ça fait depuis janvier que j'essaye tout le temps, enfin fin janvier. Et là, on est fin février et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc voilà, je voulais vous les partager. Maintenant, je vais les re-ranger jusqu'au printemps parce que je vais probablement pas les porter de suite. Mais vraiment, voilà, c'est tout ce que j'aime. Je sais que je vais faire que les porter tout l'été. Et maintenant, je convoite une paire de beige, mais ça, elles sont introuvables. Elles sont même pas sur le site, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup mettre la main sur les mastiques que je trouve juste magnifiques. Donc voilà, mais pour l'instant, je vais. Voilà, maintenant je vais aller me prendre un petit goûter, je pense. J'ai encore un petit peu de boulot et tout, donc je vais aller me poser tranquillement, je pense. Et voilà, malheureusement je voulais filmer des contenus encore aujourd'hui pour pouvoir clôturer des contenus que j'ai à clôturer tout simplement. Mais je pense que ça va pas le faire vu la lumière qui est déjà complètement morte, mais qui n'est jamais vraiment beaucoup venue aujourd'hui de toute façon. C'est pas grave, je vais travailler pour le reste, et tout ce qui est filmer des contenus, je pense que je ferai ça. Je sais pas, parce que demain il va pas faire beau non plus, donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais voilà, c'est toujours problématique quand il n'y a pas de lumière. J'ai des lumières artificielles, mais vraiment moi j'aime pas trop le rendu quand c'est pas des lumières naturelles. Donc je sais pas, on verra, mais je vous reprends plus tard.
Nouveau jour de vlog, on est samedi, ce sera le dernier jour de ce vlog et il fait vraiment pas beau du tout. Franchement pour le moment le temps ça s'améliore pas mais je pense que la semaine prochaine ça devrait être mieux donc j'espère parce que c'est vraiment pas cool quand il fait comme ça. Aujourd'hui ça fait littéralement 2-3 jours que je suis pas du tout sortie donc là je vais quand même sortir un petit peu. J'essaierai de vous vlogger un petit peu même si quand il pleut comme ça c'est beaucoup plus compliqué. J'ai mis ma nouvelle huile à lèvres que j'ai achetée à Liège. Mais là, elle est un peu partie, je vais en remettre un petit peu. Mais je l'adore. Franchement, c'est ma préférée parce qu'en fait, c'est vraiment pas très pigmenté ces huiles. Et du coup, celle-ci est un peu plus pigmentée. Je trouve ça beaucoup plus joli sur les lèvres encore. Donc j'aime beaucoup. Bon, sinon je vous montre ma tenue, rien de très dingue, mais j'avais envie de m'habiller en noir parce que je vais mettre mon trench beige, que je vais le ressortir. Donc j'ai mis mon petit pantalon cos, mon favori de tous les temps, un petit pull que je voulais trop ressortir aussi, mais encore une fois il fait pas assez chaud pour mettre juste ça, mais c'est un pull, enfin un petit t-shirt pull Zara comme ça, en transparence que j'adore quand il fait un peu moins froid. Mais bon, là, j'ai dû quand même mettre un autre gilet par-dessus. Donc, j'ai mis mon gilet cos, pareil, que je vous ai déjà montré, que j'adore, un de mes favoris du moment. Avec ma petite ceinture pour pimper un peu cette tenue full black. Mes petites boucles d'oreilles, j'ai ressorti celle-ci. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas mises. Et ben, c'est tout. Hein. C'est tout au niveau de la tenue. J'aurais bien mis une petite paire de lunettes de soleil pour un petit peu agrémenter ça. Mais ça ne va pas du tout être d'actualité. Et mon petit trench, et voilà. Je me suis commandée, je vous l'ai dit dans le canal, puisque hier soir j'ai pu enfin créer un canal sur Instagram. Ça faisait hyper longtemps que je voulais avoir ça, tout simplement pour pouvoir communiquer un peu plus naturellement avec vous, sans pour autant à chaque fois faire une story. Je trouve ça vraiment hyper sympa, même si évidemment vous ne pouvez pas communiquer vraiment, mais vous pouvez quand même réagir avec des emojis. Et de toute façon, je suis toujours très active dans mes messages Insta, j'adore vous répondre et tout. Donc en général, je réponds à tout le monde. Mais c'est vrai que pour communiquer avec tout le monde, je trouvais ça plus sympa que tout le temps des stories, enfin en complément je trouve ça plutôt pas mal. Donc ce matin je vous ai mis dans le canal que je m'étais commandé une nouvelle paire de spéciales, je vais vous montrer lesquelles. Donc c'est celles-ci, elles sont franchement trop belles pour le printemps avec une tenue toute blanche mais même avec du noir, j'ai vu des looks noirs aussi avec, c'est marqué brun foncé, enfin marron foncé, ah non c'est marqué marron. Mais je trouve que c'est plus beige. Enfin, en tout cas, elles sont super, super jolies. Et ce sera mes premières spéciales. J'en ai pas encore. Et pour l'instant, en basket, celle que je mets, c'est mes Samba noires. Mais j'avais envie d'une paire plus claire pour alterner un petit peu. Mais je pense que je vais faire vraiment un tri dans mes baskets. Parce que la plupart, je les mets plus, quoi. Donc voilà. Je vous les montrerai sûrement la semaine prochaine si elles arrivent dans le vlog de la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai déjà mis le lien dans le canal Insta. Bon, voilà. On est dehors. On a bravé la pluie. C'est vraiment... Mais... pourri de chez pourri, absolument dégueulasse, mais enfin on sort jamais alors quoi, parce que ça fait des jours qu'il pleut, donc on s'est dit bon on va quand même faire un petit tour et après on ira se remettre bien au sec, mais vraiment il fait pourri, en plus il y a les vacances scolaires en ce moment, les pauvres gens qui sont en vacances, vraiment pas cool, mais j'espère que la semaine prochaine on aura quand même droit à du meilleur temps. Bon voilà, on vient de rentrer mais il pleut dehors, j'ai dit comme vache qui pisse, il pleut, c'est des seaux d'eau, donc vraiment pas du tout agréable, mais je voulais quand même faire un petit tour pour dire de faire quelques pas quand même, parce que là ça fait 2 jours que moi j'étais pas sortie, et du coup j'ai été chez Massimo Dutti, je vous ai pas filmé, j'ai fait des stories, mais j'ai fait un petit achat chez Massimo Dutti, je voulais vous montrer ce que c'était, c'est un truc que j'avais déjà repéré, c'était déjà dans ma wishlist parce que je savais que j'allais aimer, j'avais pas encore essayé, mais je m'étais dit bon j'attends le mois prochain parce que j'ai déjà fait plein d'achats en février, donc j'ai attendu, on est le mois prochain, et du coup c'est ça, trop beau, j'espère qu'il est pas mouillé avec la pluie. C'est un petit pull comme ça, mais comme j'adore, enfin un peu comme celui-là mais beaucoup plus joli quand même, tout en transparence comme ça, je sais pas si vous allez voir, il est trop joli. Je l'ai essayé vraiment, je vous ai fait des photos pour Insta, mais vraiment trop beau. Je vous le montrerai porter de toute façon prochainement quand je le porterai. Mais c'est un petit pull comme ça. Et contrairement, enfin celui que je porte là, c'est vraiment qu'une coupe qu'on peut rentrer, je trouve, dans le pantalon. Enfin, ça fait pas très beau si on le rentre pas. Mais par contre, celui-ci, je l'ai essayé, on peut très bien le mettre au-dessus. Enfin, il a vraiment une jolie coupe. Il est plutôt proche du corps, mais pas trop. Je l'ai pris en M. Et enfin, vraiment, ça fait trop beau. Donc, super contente de cet achat.
Ça, c'est le genre de truc que je savais que j'allais aimer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Je sais pas s'il aura été très long, mais voilà, vous voyez, il y a des semaines où c'est plus long, des semaines où ça l'est moins, tout simplement. Parce que quand il pleut comme ça toute la semaine, comme il a fait maintenant, c'est un peu compliqué de faire plus de contenu. J'en ai profité pour énormément travailler sur mon ordinateur et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à évidemment laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux si vous voulez me suivre vraiment au quotidien. Sur Insta, je suis vraiment là tous les jours et sur TikTok presque tous les jours. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez suivre mes prochains vlogs. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog et je vous dis à la prochaine. Bye!